Pareil, toujours dans la même partie de cours. On a deux angles, on cherche le troisième. Alors, on va mettre un énoncé. Trouvons l'angle manquant. Et je vais l'appeler A, un angle A. Ça va nous servir pour la rédaction. Petit a, donc après on rappelle toujours le cours. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir le faire. Alors, le premier, ça veut dire qu'on a 69 degrés plus 33 degrés plus l'angle A qui doit être égal à 180 degrés. Alors ça, on peut déjà les additionner. 2, et je retiens 1, 6, 7, 8, 9. Donc on a déjà 102 degrés plus l'angle A qui vaut 180 degrés. Donc pour trouver l'angle A, il faut faire ce calcul-ci. Et donc on trouve l'angle A qui vaut 60, 18 degrés.